Bon, enfin, il est parti en route. Il a dit qu'il allait venir me chercher. Il a dit qu'il allait venir me chercher, mais il prend du temps. Attends. Bon, j'ai pas envie de me mouiller. Imbécile, depuis quand tu m'écrases? Pédigeant à savoir. Bon, il m'a donné ça au cas où. Je suis dans la capitale. On va là que le ciel, les lumières sont finies. Il y a Neymar. Mbappé. Il avait... Bon, il a dit qu'il allait venir me chercher là. Ben, je l'attends là. Bon, c'est l'heure d'aller chercher mon petit frère, hein. Il est là-bas, là. Petit frère, viens, viens, viens. Ah, pour l'instant. Pour la première fois de ma vie, je vais pas l'écouter. J'aime pas cette ville. Non, Coco a dit que j'ai pas le droit de faire des bottes, mais j'ai le droit de faire du vélo. Les gars, apparemment aussi, vous allez ici. Vous appuyez. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Et c'est vrai. Je suis pas là. Hé, pourquoi tu es chez moi? On est bien d'accord, c'est un tricheur. Comment il fait ça? Je veux une glace, maman.
Tu vas faire ta visite, tu vas faire ta sieste. Gardien de but oublie le ballon en essayant de chercher un coéquipier pour lui faire la passe. Plus de peur que de balle, il récupère le ballon. Le deuxième, c'est l'ex-entraîneur de Manchester United, Louis Van Gaal, qui explique la chute de son joueur en l'animant pour de vrai. Et le premier, c'est Marouane Fellaini, un joueur de Manchester United, qui, jaloux de la chevelure de Matteo Guendouzi, lui tire le cheveu et provoque sa chute. Viens, cette tapette là. Ça c'est moi sur le net.